perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit? C'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant toutes. Oh putain. Eh bien bonjour à tous, c'est... Skylar. Il me fait tuer des barres de rire ce gars-là. Le mec il s'est enivré, il était en train de faire des shots. Peut-être se buter, mais malgré ça, il vient sur l'enquête, il a la gueule de bois, il est génial. Et donc du coup, bah, on se retrouve avec Connor, hein, et on continue l'enquête. Où ça nous avait frustré la dernière fois, si on n'avait pas réussi à aller dans cette enquête. Et bah là, pour une fois, on va la suivre. Allez, c'est les parti. Les androïdes les plus sexy de la ville. Dans un salon de prostituée. Je comprends pourquoi t'as insisté pour qu'on vienne. Oh. Eh mais en plus, il a sa chemise spéciale hippie. Trop classe. Il est trop classe. Ouh. Bonjour madame. Excusez-moi, je vous regardais dans les yeux. Connor, ah qu'est-ce que tu fous? Si on peut j'arrive plus s'amuser. Maintenant. Je peux plus regarder, c'est dommage. Même le monsieur Musk. Bonjour madame. Mais qu'est-ce qui... Waouh. Nous a fait quoi le gadjo là? Ah génial, un cadavre et une tête de nœud, j'ai tiré le gros. Il nous a fait une prise. Alors c'est où? C'est là. Le lieutenant Anderson et son petit... Ah, mais tu sais qu'est-ce que vous l'avez encore, lui. On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Ah ouais? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. Tu peux me laisser, vu que t'es un mauvais enquêteur, toi. Ça commence à sentir l'alcool ici. Sale petit trou du cul. Bonne nuit, lieutenant. J'espère qu'on va... Cette chemise. Ok, examinons tout. Alors... Déjà elle. Wow, hey. Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais. C'est des analyses. Encore me faire gerber. Ok. Sang bleu, numéro de série, un petit diagnostic. Dégâts critiques. Ok. On peut pas regarder plus? Bon. Il n'y a pas grand chose à regarder, mis à part le petit gars qui, effectivement... J'espère qu'il s'est fait plaisir au moins. Parce que s'il est mort juste comme ça, c'est moche. Alors, le cœur. Aucun signe cause. Donc il est pas mort d'une crise cardiaque. Qu'est-ce que c'est que ça? Des traces de strangulation. Ok, d'accord. Et estimé à 18h. Ok, d'accord. On va reconstituer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, le robot il l'a étranglé. Ouais, ok. Ouais. Il a fait ça et il est mort. Ok. Mais pourquoi elle est morte, elle? Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglé. Ouais. J'ai vu les contusions sur son cou. Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. On peut regarder, tu sais. Réactivation requise. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. Ok. C'est dans tes cordes. Mais il sait elle tout faire. Très endommagé. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute. Peut-être moins. Il sait tout faire. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose.
Allez, on la reconnecte. Allô, madame? Bonjour, madame! Doucement, 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 doucement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Une minute. Tu es endommagé et je t'ai réactivé. Tu es en sécurité. Est-ce qu'il est mort? Ah bah, plutôt, oui. Oui, il est mort. Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à me frapper. Encore. Et encore. C'est comme ça qu'il... Pourquoi tu l'as-tu tué? Non. Non, c'était pas moi. Vous étiez seul? Étiez-vous seul dans la pièce? Y avait-il quelqu'un d'autre? Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il Donc a dit. Donc y avait une deuxième? Donc c'est l'autre androïde qui l'a étranglé. C'est bien ça? Elle est morte. Fais chier. Il y avait deux androïdes. Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ une heure et doit être à Perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Ah oui, j'avoue. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club ? C'est compliqué, mais on va y arriver, hein. Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Ah bah, il y a 40 000 androïdes. Je vais interroger le gérant. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Ah bah voilà, bah parfait. Ah, génial. Vous connaissiez avec des... Alors, un peu d'interaction. Trois fois, peut-être. Ces types ne sont pas vraiment du... Qui c'est que je peux examiner? Seulement elle? Jean Bavard, vous savez, ils viennent, ils font leurs affaires, et ensuite ils repartent. Vous avez déjà eu des problèmes avec... Tu veux pas nous refaire ta prise de catch, toi, Tadin? Enfin si, une fois. Oh là là, le beau mât. On a perdu une unité il y a deux ou trois mois. Alors. Le même modèle. Elle a disparu et on sait pas ce qui s'est passé. Ah bah oui. J'imagine que vous avez pas de vidéo sur... Non, sans déconner. On va lui demander d'acheter une prostituée. C'était pas pas. Hank. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir? T'as trouvé un truc? Peut-être bien. Ça va être drôle, mais ouais. Allez. Pouvez-vous louer cette précis? T'es vraiment un taré, Connor. On a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Non, en vrai. Faites-moi confiance. Faut la scanner. Ça va faire tâche sur mes notes de frais. Ah, tu m'étonnes. Y'a pas de quoi. Bonjour, madame. Ravi de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Non, non, non. Ok, et maintenant? Tu vas la scanner? Ok. Oh là, mais les touches qui te demandent d'appuyer. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ok, donc il n'y avait pas grand chose. Il y avait elle. Ok. Et après, est-ce qu'on peut voir autre chose? Non, on peut juste voir un gros porc qu'il a acheté après. Ouais, bon, il n'y avait rien d'autre. Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles? Elle a vu quoi? La déviante quittait la pièce. Une Tressie à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes et toutes les... Ah merde! On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. 5 minutes? Waouh! Attends. Réfléchissons. Le temps... Attends, elle venait de là, elle partait là. Est-ce que lui, il l'a vu? Ah, et en plus, on va demander à Hank qui va acheter des... Ça a intérêt à marcher. Ça va être génial. Ok. Ah! Elle était donc là, ok?
Ok, donc elle est retournée dans le club. Ce qu'ici, tout va bien. Il a vu la Tracy au... Ok. Elle est partie par où, on a dit? Elle est partie par là. Feu bleu, je sais par où elle est passée. Ce serait bien de faire acheter. Alors, à Hank 50 000 nanas. Il y a des androïdes partout. Ici. Allez Hank, tu peux savoir le achète celle-là aussi. Et en plus, elle l'a vu, j'ai fait ça au pif. Elle est allée dans la pièce rouge. Ok. On peut pas en acheter d'autres? Ah merde. Plus du tout? Ah merde. Ah c'est pas grave, il y en a d'autres à acheter. Hank, tu vas kiffer. Est-ce qu'on fait celui-là qui est gratos? Non, non, non. Tiens, l'ob là. Nickel. Allez. Oh la note de frais qu'il va avoir. Eh voilà en plus. Non, 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 non. Non, rachète-le. Excuse-moi. Je suis désolé, mais je l'avais vu. Ok, donc elle est partie dans la pièce bleue à la con. Ok. Donc là, ça sert à rien. On sait qu'elle est partie dans la pièce bleue. Ah, c'est quoi, j'aurais bien fait acheter à Hank 40 000 robots sexuels. Alors, qui qu'on a donc? Elle, forcément. En plus, c'est joli. Alors, est-ce que tu l'as vu? Oui. Et elle est partie dans une autre pièce. Elle est partie dans cette pièce. Eh, on peut demander à d'autres personnes. Alors, pas lui, parce qu'on s'en fiche. Lui, il faut le payer, bah oui. Allez, Hank, achète encore. Ok. Ok. Elle était juste en train de kiffer, là, madame. Non. Pas grave. Et lui, bon bah allez, on va en profiter, on va regarder lui. Même s'il est gratis. Ah ah ah! Elle s'est enfuie par la porte du personnel, ok. Qu'elle s'est enfuie ici. Je sais où elle est allée, suivez-moi! Oh, j'hallucine, c'est un truc de dingue! Mais non! Moi j'ai tout vu. Par contre, toi t'as bien acheté. Ah, tes notes de frais, ils vont être géniales. Oui. Laisse-moi prendre la suite. D'accord, super Hank. FBI! Alors? Qu'est-ce qui se passe? Il y a du monde au moins. On a plein. Ok, là là. Eh, tête, tête. Merde. On arrive trop tard. Là. Il y a quelque chose là. Il y a du sang bleu. C'est dégoûtant quand même. Ok. Il y a du sang bleu. On va passer par là. Là, il y a quoi? Un peu spécial. Bordel, regarde-les. On les utilise jusqu'à ce qu'ils cassent, puis on les jette. Ici, il n'y a rien. C'est ouvert, quoi. Ça aurait pu se barrer. Pas barré. Qu'est-ce que je vois là-bas? Qu'est-ce que j'ai vu? Oh, un bouquin. C'est le bon moment pour lire des bouquins. Les premiers immortels. C'était très important à lire. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse lire. Hein.
c'était quoi le truc? Les nouvelles puissances. Eh ben parfait. Parfait. C'était vraiment le bon moment, je pense. Erad, je l'ai vu. Les gens sont devenus tarés. Ils cherchent pas à s'engager dans une relation, tout le monde s'achète un androïde. Oh bah écoute. Ils te font à bouffer quand t'as faim, ils baissent quand t'en as envie. Et t'as pas à te soucier de ce qu'ils ressentent. On va finir par disparaître de la surface du globe, parce que tout le monde préfère s'acheter un bout de plastique. Arrête de t'énerver, c'est l'avenir. C'est bon, Nat. Donc t'aimer son prochain. Ça me fait chier, ça. Ok. Là, y'a rien. Ah, fallait regarder les Tracy. C'est pas elle, là? Eh, on dirait... on dirait la prostituée qui était... avec Marcus. Ah ok, mais là... Y'en a pas là? Comment tu veux qu'il y ait quoi que ce soit ici? Ah y'en avait là-bas, j'avais pas fait gaffe. Ah mais là c'est grillé, il y a forcément quelqu'un. Ah bah oui, bah tiens. Ah y'en a deux! Qu'est-ce que c'est que ça? Embouche-moi! Fais gaffe, y'en a une! Voilà! Hop là! Ouh. En plus, elle est prête. Doucement! On se calme! Arrête de me taper avec tes coups de pied. Ah! Deux filles! Non, 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 ça va pas passer! Loupé! Oh, tu t'en sors? Ah! Ah non, t'es pas prêt! Tirez! Ça n'a absolument pas marché! Chez madame! Lancez! Ah, je croyais qu'il allait lancer le gros truc, moi! Hank! Putain, la vache! Ah! Qu'est-ce que vous allez faire? Ils sont déviantes et amoureuses! Gros, elles vont s'échapper! Allez, chop, 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 chop! Tiens! Non! Stoppé! On va y arriver! Ah ouais, à deux c'est compliqué! Hein. Allez hop! Ah merde, je me suis gouré! On recommence! Oh la vache, combat de sumo! Loupé! Le flingue! Ah, on va pas tirer! Ah, il est parti, on va y partir! Ah non. Si on tire, ça sert à rien, elle va être désactivée. Ah, on avait la deuxième remarque. Quand cet homme a cassé l'autre Tracy, j'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il ne voulait pas. Alors j'ai mis mes mains autour de son cou et j'ai serré. Jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Mon but n'était pas de le tuer. Ah bah un peu quand même. Je voulais juste rester en vie. Retrouver celle que j'aimais. Je voulais qu'elle me prenne dans ses bras encore une fois. Et qu'elle me fasse oublier les humains. Dommage. L'odeur de leur sueur. Et leur obscénité. Allez viens. Restons pas là. Être content lui. Ah bah si, il est content. C'est sans doute mieux comme ça. J'aurais tiré, il m'aurait détesté.
bizarre ce rang quand même. Oh. Et j'ai donné une super note de frais à Hank. Ah, il y avait encore un truc que j'ai pas fait gaffe. Oh bah ça va dans le... Approcher calmement, ok, d'accord. Bon bah parfait. Abattre la déviante, ouais bah écoute... Ah, et en plus ça a débloqué un scénario spécial. D'accord. Bon, bah écoutez, plutôt pas mal. Ouais, c'est devenu mon ami. Amanda neutre, mais elle n'est pas encore au courant. À mon avis, elle va nous défoncer. Instabilité logicielle. À la fait que j'agis comme un humain au lieu d'un robot, ouais, pas vrai. Ouais, mais bon, là, on n'avait pas trop le choix. Enfin, bref. Bon, en tout cas, cet épisode prend fin. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit partage, ça me fait super plaisir, comme d'hab. Et ben moi, je vous laisse et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye!